Coucou, je suis en train de m'installer. Je m'installe pour faire une petite carte. Alors, pour une faire rebonjour, là je vous dis bonjour. Ça fait deux ou trois vidéos que je vous dis bonjour déjà. Et après, j'oublie de redire bonjour. Donc, coucou, bonjour à toutes. Et voilà, c'est fait. Oui, aujourd'hui encore, vous ne verrez pas ma tête encore aujourd'hui. Vous inquiétez pas, je vois que vous vous inquiétez beaucoup. Pourquoi je ne me montre pas? Vous saurez pourquoi plus tard. Voilà. Donc là, je vais vous faire. Mais tout va bien, hein, vous inquiétez pas. C'est pas une histoire de que j'ai perdu mes dents, que j'ai perdu un œil ou que j'ai perdu quoi que ce soit. Non, 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 non. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de me montrer en ce moment. J'ai pas envie de me montrer en ce moment. C'est tout. C'est simple, c'est comme ça, voilà. Donc, mais vous saurez tout un jour, voilà. Donc, là, j'ai pris une feuille du bloc noir craft et là, hein, je vais couper un morceau à 24 cm sur, attendez, je me suis marqué ça sur un petit papier. Où c'est que je l'ai marqué, mon petit papier, là, il faut que je me rappelle. 24 sur 15, voilà. Je vais me faire une carte avec un morceau de 24 sur 15. Oui, je sais, je sais que ça embête, enfin, ça vous embête pas, mais vous êtes un peu, vous vous demandez pourquoi je ne me montre pas. Mais j'ai mes raisons. Voilà, j'ai mes raisons. J'ai pas fait de lifting, vous inquiétez pas, j'ai pas fait de lifting, pas à mon âge, hein, surtout pas. Non, non. J'ai rien de spécial mais je ne veux pas me montrer pour l'instant, c'est tout, c'est simple, c'est comme ça. Donc, sur ce morceau de 24, je vous ai dit 24 sur 15, j'espère que je ne me suis pas trompée parce que je suis en train de vous parler. Je vais faire un pli déjà, comme ça fait 24, oui c'est 24 que j'ai coupé ou 29? Non, c'est 24. Non, non, c'était une feuille de 20, il fallait que je coupe à 29, vous voyez? Je vous parle et je fais des bêtises. Je savais bien que je disais 24, ça fait court. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais reprendre une feuille noire. Si j'en ai encore. Oui, j'en ai. Une feuille noire. Il faut que je la coupe à 29. J'étais en train de vous parler et je fais des bêtises. Comme d'habitude. Moi, si je parle, ça y est, je fais des bêtises. Donc, on va aller à 29. Voilà, il ne faut pas que je coupe grand-chose. Hein. Voilà. Oui, c'est déjà mieux. Sur 15. Non, mais je suis en train de parler, puis je fais. Voilà. Hop, c'est pas grave, ces morceaux-là me serviront. Enfin, me serviront ou me serviront pas. Hein. Donc, je vais commencer par faire un pli. Non, j'ai déjà le pli en deux, donc 29. Je vais faire un pli à 14,5. Bon, on a été coupé. Hein, j'en étais à. On fait un pli à 14,5, donc je l'ai fait. J'étais en train de faire mes plis. Et d'un seul coup, je regarde. Écran noir, c'est encore la mise à jour. Ça devient lassant. Donc, d'un côté, du côté, là, j'ai fait un pli à 4 cm. Et de l'autre côté, j'ai fait un pli à 5 cm. J'ai plié dans ce sens-là que je suis venue rabattre, et ça, ici, que je suis venue rabattre, ce qui vous donne ceci. Je ne sais pas si vous allez voir le noir sur le noir. Ça, vous voyez, c'est un. Vous allez le voir mieux quand je vais l'avoir décoré. Donc, vous faites un pli à 5 cm. Vous le pliez ici, comme ça. Et celui à 4, vous le repliez par-dessus. Comme ça, il y a un décrochement ici. Donc, maintenant, je vais couper pour l'habiller. Donc j'ai sorti du papier noir comme ça, oui, parce que j'ai toujours pas fait mon album noir et blanc, mais pour l'instant il n'est pas question que je le fasse pour l'instant. Donc je vais choisir une feuille, je sais pas trop encore ce que je vais mettre, des cœurs, non c'est pas mon truc, des petits pois, tiens, non c'est des étoiles, ben, ça pourrait peut-être le faire, ça, des étoiles. Ouais, je vois. Attendez, que je mette, mettons, si je mets des étoiles ici.
Ici, je mettrai quoi? Un autre. J'ai vu que j'avais du gris peut-être. Ouais. Je vais voir si je peux mettre du gris. Du gris. Plutôt que je mette du noir là. Que je mette du gris. Ou le contraire plutôt. Du gris ici. Du gris ici. Je cherche un avant parce que je ne sais pas du tout comment je vais faire. Oui, je vais peut-être faire ça déjà. Bon, je vais couper. Alors, mon, voilà. Sort 15 sur 5, ça fait du 14,5 sur 4,5. Alors, 4,5. Sur 14,5. Je vais voir, hein. Je sais pas si ça va être les couleurs que je vais mettre, mais je vais mettre ici. Ouais. Et celui-là, c'est 14,5 sur 4,5. Alors, 14,5. Non, ça peut pas 14. Donc 14,5 sur 3,5. On va déjà coller ces deux là et après je vais voir ce que je vais mettre d'autre. Voilà. Ça, ça et ça. Et après je vais voir pour les autres. L'autre déco. Donc ici, bon, je vais mettre ça. Ah, ça a bien coulé. Hop. Alors on y va. Il est pas bien épais celui-là, mais. Ça devrait le faire quand même pour la déco. On va le mettre. Donc, j'ai dit sur celui-là. Et celui-là. C'est tout simple, hein. C'est. Mais il y a un petit pliage à faire, c'est pas bien. Pas bien compliqué, mais ça fait son petit effet. Et celui-là, on va venir le mettre ici. Voilà. Donc, pour l'instant, ça me donne ça. Mais je trouve que ça fait... là, je vais mettre du rose. Parce que ça me plaît pas trop. Si je mets du rose... Ça serait quand même plus joli. Bah oui, ça ressortirait mieux quand même. Hein. Mais par contre, la largeur va pas être bonne. Alors, est-ce que j'en aurais pas un autre? Oui. Donc là, 14,5 sur. Là, ça fait 9,5, donc sur 9. Hop là. 14,5 sur 9. Sur 9. Hop. Donc, je vais venir le mettre comme ça, comme ça, comme ça. Oui, déjà, c'est plus joli quand même. Hein? Ouais. Donc, celui-là, je vais venir le coller là. C'est pas trop compliqué, hein. C'est juste du pliage et du collage.
ici. Derrière, je pense pas que je vais mettre quelque chose, je vais laisser comme ça. Derrière là, ça sert à rien, hein. Je vais mettre quelque chose. Ouais, je vais faire comme ça. Regardez, ça s'accorde bien les couleurs quand même. Et à l'intérieur, je vais mettre du papier blanc pour la correspondance. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, ça fait 10. 10 sur 15, ça fait du 9,5 sur 9,5 sur 14,5, pareil. Bah oui, qu'est-ce que je suis bête. Alors, du blanc. Je vais prendre du léger. Hein. Quatorze et demi sur 9, j'ai dit. Hein. Sur 14,5. Hop. Pour la correspondance. Peut-être en mettre de l'autre côté aussi. Hein. Je vais peut-être mettre un petit décor plutôt de l'autre côté. Moi, j'aurais pu le faire un peu plus large. Hein. Pourquoi j'ai mis le 9? C'est pas 9 alors. Et non, c'était sur 10. Oh, mais c'est pas vrai. Hein. Heureusement que je m'en resserre après des petits morceaux parce que 14,5 sur 10. 14,5. Non, mais je vous dis, c'est la vidéo où j'arrête pas de me tromper. Hein. Sur 10. Voilà, ça serait mieux quand même. Ah bah oui, c'est quand même mieux. Voilà, ça c'est pour la correspondance, si vous voulez mettre un petit mot. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, je vais peut-être remettre un petit truc. Alors, là, je vais essayer de ne pas me tromper quand même. Là, ça fait 9, donc je vais faire 8,5 sur 14,5. Huit et demi. Huit et demi sur 14,5. Ça, après, vous prenez les mesures hein, de votre carte. Hein. Si vous n'avez pas fait exactement les mêmes mesures que moi, après, vous adaptez. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, donc ça vous donne ça, ça vous donne ça, ça vous donne ça. Et derrière, est-ce qu'on met quelque chose ou est-ce qu'on le laisse comme ça? Je vais mettre quelque chose, hein, parce que c'est pas... Donc là, ça doit faire 10,5, donc on va couper à 10. 10 sur 14,5, on va mettre des fleurs peut-être. Est-ce que j'en ai encore un bout de fleurs? J'en avais bien un bout tout de suite. Combien j'ai dit? 14,5, c'est sûr, mais sur 10. 14,5 sur 10. Est-ce que ça fait 10?
sur 14 et demi. Voilà. On va mettre ça là. Ouais, c'est plus joli quand même. J'ai du mal à m'en sortir de mon bloc rose là. J'en mets partout là. Vous allez vous enlacer. Si ça continue, vous allez vous enlacer. C'est pour ça que j'ai dit là, je vais peut-être faire avec un fond noir et puis autre chose quand même. Hein. Je ne peux pas faire qu'avec. Voilà. Hop. Donc. Ça, la carte, elle va être faite. Ensuite, je vais faire une ceinture. Je vais faire une ceinture parce qu'il faut qu'elle reste fermée. Donc, 10, ça fait 20. Ouais, bah, je vais couper une bande. Alors, une bande, quelle couleur? Une bande de quelle couleur je vais couper? Est-ce que je fais avec ce papier-là? Ou avec... faire avec le avec les étoiles. Je vais faire une bande de 2 cm. Oh non, 2 cm ça fait beaucoup. Hein. Quoique. Je vais déjà faire 2 cm et on verra après. Hein. Adapter à la carte. Alors, hop, on va plier déjà. Hein. Ah, j'en ai mis laissé un peu de trop. Donc, ma paire de ciseaux. Là, celle-là, elle a un peu de trop. On va la couper. Et on va venir coller, on va laisser un petit peu que ça puisse glisser quand même, pas trop, comme ça, et on va venir le coller, oui, on va mettre de la colle sur celui-là, et on va venir la coller là. Comme ça. Et on va la rentrer. Voilà, ça rentre bien. Voilà. Et j'ai sorti des die-cuts que je ne sais plus qui me les a envoyés. J'en choisirai un dans le lit. Il y en a pas mal. Hein. Je n'ai peut-être pas assez serré ma ceinture. Voilà, comme ça. Et je vais venir coller. Alors, il faudra que je choisisse. Je ne sais pas trop. Peut-être ça, ça serait pas mal. Hein. Allez, je garde tous les roses, là. Celle-là, elle est pas mal aussi. Ouais, j'aime bien. Donc, ce que je vais faire, pour pas que ça colle sur la carte, je vais le coller d'abord ici. Oui. Hop. Je vais mettre ça dessus. Voilà. Ça fait une belle petite bague. Et je vais venir. Il faudrait que j'attende que ça colle quand même. Mais vous me connaissez. Ah non, mais si j'attends pas que ça colle, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Il faut que j'attende quand même que ça colle bien. Et est-ce que. Je suis en train de regarder que. Ça
On a mis de la colle là, mais heureusement ça va pas se voir. Pendant ce temps-là, je vais chercher un sentiment. Des merci, j'ai déjà fait des merci. Merci, double surprise, merci. Ça c'est quoi? Non. Une pensée, ben, c'est pas mal ça, une pensée. Ouais, ça pourrait le faire ça. Alors, on y va. On essaye de renfiler la bague là. Mais je comprends pas, ça fait de la colle. Il devrait pas y avoir de colle là. Bon, pour vous montrer ce que ça donne, je vais le mettre comme ça, mais je vais le retirer et je le remettrai après hors vidéo. Je vais le remettre à sécher parce que sinon ça va. Regardez, ça fait mignon. Et je pense mettre double pensée ici. Une double pensée. Mettre une pensée. Ouais. Oh, quoi que ça fait, noir et blanc, une pensée. Non. Non. C'est pas un truc de. Non, une pensée. C'est bien une pensée, mais pas écouter son cœur. Un petit mot doux. Juste un mot. Ben voilà, juste un mot. Ouais. J'aurais voulu qu'ils soient un peu moins gros quand même. Cous humain, ben non. Il était une fois l'hiver. Simplement, voilà, simplement. Simplement, c'est très bien. Pas besoin d'aller plus loin. Et je vais le laisser comme ça. Je vais même pas l'ancrer, rien du tout. Je vais le laisser comme ça et je vais faire simplement. Et ça fait une petite carte, tout simplement. Voilà. Voilà une petite carte toute simple, toute facile à faire. Il n'y a rien de compliqué, franchement. Mais une fois décorée, je trouve que ça fait super joli. La carte est super jolie, vous verriez ma table, elle est moins jolie, parce que vous verriez le bazar que j'ai mis rien que pour une carte, c'est pas possible. Donc, voilà ma petite carte, toute simple, qui va aller rejoindre les autres, et quand je me mets à envoyer des cartes, eh ben, j'en aurai plein de fêtes. Voilà, donc je vous fais un gros bisou, merci d'avoir regardé, et puis ben, je vous dis ben, à la prochaine vidéo. Je suis contente d'avoir trouvé, j'en avais plein des die-cuts, je suis contente, de... oh, celui-là à l'écran, hein. J'ai retrouvé, je dis, mais c'est vrai que j'avais tous ces die-cuts. Je ne sais plus qui me les avait envoyés. Je suis contente d'avoir mis la main dessus, d'ailleurs. Voilà. Donc, et ben à la prochaine vidéo. Bisous!